derrière. C'est pas grave, ils sont pires que toi, ils sont pires. Eux en anglais sont pires que toi en français. Donc ça va. Oh mais bah voilà, allez. Fallait nous le dire, on n'est pas dans le pair des commentateurs. En allemand ça va être compliqué quand même. Guten Nacht. Hola, que tal? Hola, que tal, compadre? Estamos aquí para el torneo de Neocan Smash. Estamos aquí para el torneo de Neocan Smash. Y vamos a comentar en español hoy. Esta noche estamos con Zed, HD. Muy bueno. Incredible. Ah non, je commente pas en espagnol. Hein. J'ai fait le tour de mon vocabulaire moi aussi. Je commente pas en espagnol. Oh là là, la méta. Quoi? Ah oui. Le disrespect. Les smashers, ils ont fait un tour au Brésil, ils se sont transformés en meufs. C'est littéralement ce que Chris nous a sorti. On a eu des bombasses. Ah ouais, non mais il est venu, il a foutu le feu au Discord, il s'est barré. Ah bah voilà, Chris, Gray, les Dr. Morph, elles sont trop fraîches. J'ai pas posté le mien. Là, il est en train de baver, les gars. Oh merde. On a eu Vanatasha aussi. Kadaj, il changeait pas. Oh, y'a des bails, les gars. Le pire, c'est chinois. Ah non, je t'ai trouvé on ça, est explosé. Putain. Ah non, mais c'était magique. Allez checker sur Twitter, allez, les gars. C'est parti, le premier. C'est un trait de Sir Knight. Alors, on est finalement en BO5 là. On est en Winger Semi déjà. Excellent. Ah ouais, ça va vite. Finalement. Excellent. Parce après le tour oh là là, allez, ça sweet spot le pas le ledge. Smash, ouais, non, il est pas mort. Le petit bonus. Même si c'est l'highlight. Ouais. OG, je pense qu'il a du bantam du coup. Ouais, enfin, ce match-up là, il est. Ce match-up. Alors j'ai vu que. Il est le personnage le plus combat du jeu. Donc tu vois, le down air connecte pour le. Non, c'est. Bon. Ça se connecte contre presque tous les persos. C'est pas Je comprends pas d'ailleurs parce que Charlie Ducking, là, le Fox, il a sorti une match-up list. Oh le et voilà. De oh là. Il en remet un derrière, c'est beau le parce que. Le salaud. Il aurait pu remonter au G, je crois qu'il était pas parfait le faire footstool, mais. Mais voilà, le match-up il est violemment pour Fox. Et je sais pas pourquoi, mais Charlie Ducking, il a envoyé une tier list hier et il a mis 50-50. Est-ce qu'on est... Le match-up Fox-Falcon, alors là. Est-ce qu'on peut vraiment montrer du viol en Twitch? Là, c'est un peu violent quand même, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais le Falcon, il peut se défendre aussi, hein, parce que ça peut aller très vite, mais dans un sens comme dans l'autre, en fait. Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes des sets, genre Fatality, Larry, ça va très vite. C'est très souvent Larry qui gagne. Mais c'est ça, une vitesse hallucinante. Falcon, il a de très bonnes options hors stage et, la recovery de Fox est vraiment la partie et puis, disons, il peut, faible. Absolument, il peut en abuser violemment. Et voilà, le up tilt qui vortex. Connecte, ça va jusqu'à... Et le vortex. Ça fait plusieurs fois que j'ai spot pas le... Oh allez. Oh, il va, c'était il mignon. Va pour la gloire mais il arrive non, pas. Ouais. Je pense qu'un sour spot, un sour spot de Nid pour le coup ça aurait peut-être fait le taf. Dans un premier temps, je sais pas s'il aurait pu remonter après. Alors très bien, presque le Sakurai combo. Il s'en veut, OG là. Ouais. Ce match-up, genre tu fais un up tilt, tu as pour 50-60% facilement. Ouais, voilà. Après le truc c'est de pas se laisser tuer. OG il est pas mal là, il évite bien les tentatives de backer, les tentatives de pair, mais et là. Le up tilt, très bien. 50. Et là c'est le moment, et là tu connais les pourcents. Tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qu'il va chercher. Il va chercher. Oh mais le reverse hitbox qui nous connecte le tout nid et le nid dans le neutral. Et après le nid pour essayer le rôle. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Là il y a eu 4 miss punish à la suite là. Les deux ils avaient deux fois le kill. Oh le up tilt. Mais le up air. C'est bien, il était bien placé hein, en dessous. Il cache le landing. Paf. Couvre le landing. Did he just? Non. Oh non. Oh là là. Oh là là. SD quand même. Il est fort. Incroyable! Il a faim et le spaghetti... Il a bien fait de passer à Diddy Kong, hein! C'est plusieurs fois que j'ai fait flipper au ledge comme ça, et là. Belle DI, il est retourné vers le bord tout de suite! Oh, mais il se SD! Mais Lucas là! Mais sors-nous le Diddy!
Bon. C'est un peu déprimant, mais quand même cette fin. Bah. Tu as très bien joué, après, ok, 2 ST, pourquoi non, pas. Non, c'est. Oui. Il s'est fait outplay, il s'est fait outplay. Hein. OG, il a bien reconnu sa win condition. Il a parfaitement OG compris. OG a compris. Non, non. Sa win condition. Ouais. Très, voilà. très malin, OG, bravo. Un main game outplayed. Efficace. Outplayed. Completely outplayed. La lettre cruise. Le meilleur, allez, back to le toi, meilleur stage, beau, très bien codé. Le on part pour notre Fox. Game 3, 1-1. Parce qu'évidemment... point pour Roger, un point pour ZHT et un point pour ZHT pour Roger. dommage. Mais voilà. Et aussi, avec deux personnages si combables que ça, on peut voir déjà 95%. Ouais, ça super vite dans ce match-up. Oh là ah, le read de. Et voilà. De et là, t'as vu, on est quasiment retourné la situation par rapport au game précédent. C'est OG qui a un lead énorme et il a pris une stock en moins 30 secondes. Hop, et là, ça part. Voilà. Mais je. Ouais, oh, juste... trop. Ah, dommage. Ouh, il rate. C'était bien tenté. Le follow-up. Et en tout cas, ça me fait plaisir de le voir tenter ça de plus en plus. On a vu Fatality là, sortir des Futsul combo récemment, là, notamment sur Cosmos. Il a fait des highlights. Et pour moi, ça montre que Falcon a beaucoup de potentiel encore. Falcon, il a beaucoup de potentiel. Oh là là, le phantom. Il a read le side B là encore une le fois. Le side une... B directement sur. Ouais, ouais. Oh, le coup de recovery cheveux. Hasardeuse, en tout cas pas assez réfléchi de la part de ZHT. Et ça pardonne pas. Hein. Ah bah là, il a été un peu mode autopilote après ce deuxième game. Ouais, ouais. Il était un peu. On va voir s'il peut se reprendre. Un peu chouque. Hein. Ouais, un peu exactement, chouque. Ouais, un peu secoué, un peu. Ouais, ouais. J'ai cru, hein. Alors, on va voir la ZSS, la fameuse. Ah, y'a moyen. Mais voilà, du coup, en tout cas, je suis bien content de voir Fatality sortir ses Futsul combo, OG les tenter, parce que pour moi, c'est l'avenir de Falcon, et grâce à ces combos-là, Falcon, il peut monter encore pas mal dans la méta, puisque tu vois, par exemple, sur ZSS, entre 0-30%, il a du Don't Throw Futsul True Combo, sur un dash grab. Pareil sur Pikachu, pareil sur Little Mac, pareil sur pas mal de persos, y compris dans des match-ups qui sont pas les plus faciles, et si derrière, le Futsul combo est assez solide, évidemment, c'est très dur à bien faire, mais ça peut être un énorme avantage pour Falcon et quelque chose qui peut pas mal se développer quand la méta continuera à avancer. Le gros problème dans ce matchup, c'est le fait que Falcon, il va se faire il peut se faire combler un grab, c'est vraiment facile. Alors oui, pas forcément parce qu'il se fait moins ladder en fait. Il meurt moins par le haut en fait. Il meurt un peu moins par le haut. Et Uperny, là, regarde les pourcents. C'est l'heure. Par contre, 59%, je dirais 10% de plus, il peut faire le... Bah c'est OG hein, c'est le, ouais. Le ladder. Le Zert down B. Il y a moyen aussi. Ouais. Oh voilà. Le nerf tout d'un demi plutôt. Ouais. Le nerf. Ouais. Ouais. Non, mais même là ça passe parce que c'est Falcon. Alors. Et là. Oh la ride, mais non. Bien tenté. Effectivement, la DI était in. Non, ça tuera pas. Ça tuera pas. Vous avez acheté la DI in, bon, ça je pense bon. Que j'ai de la remarquer. Hein. Le bon abbey out of shield. Ouais. Mais ok, il se. Et là voilà, pour tuer ZSS, elle aura besoin d'un backer. Et ça, il faut vraiment que vous achetez, soit pas trop téléphoné là-dessus. Ou alors d'un edgeguard. Voilà. Alors, parce que là, même sur un grab, il trouvera pas forcément grand chose. ZHT, on va voir ce qu'il peut nous sortir, mais le grab va être difficile à trouver. Mais non, ça va pas connecter. Il va, Et ça vaut pas le coup en fait, parce que le moment où il rate un grab, c'est la fin. C'est toujours un gros risque et le reward, ça va pas forcément aimant. Allez, le Raptor Boost. On approuve. Le Raptor Boost, le OG classique. Ryan Boost, ouais. OG classique. Et là, voilà, tu vois, ZHT, il a fait 4 backers en 20 secondes, en 5 secondes plutôt même. 20 backers en 10 secondes. Et ça passe pas, et là il faut qu'il fasse attention, qu'il essaie de mix up un peu ses options parce qu'il a un peu de mal à trouver le kill. C'est bien le perso DLC. Ouais. Oh c'est propre, pas. Oh c'est très propre là. Oh c'est oh, dommage. Et voilà le combo comme c'était, tu c'était disais. C'était très très beau ça, back air, up air, footstool. Déjà 50%. Magnifique. Juste comme ça, oh il, bien il fait. Sort du très du, bien du fait, du ouais ouais. Il l'a pris un peu derrière, ou alors Roger a commencé à DI SDI avant que le move le il sorte. Essaie déjà oh, là pour la kill. C'est et beau. OG prend un petit le short up nerf. Ouais. Trop bien. Bien placé. Beau ride de la part d'OG. Un beau ride. Ouais. En plus, ZSS, c'est un personnage qui doit sauter tout le temps. Donc, oui, le moment où ça, tu ouais. fais un short hop agressif, là, c'est-à-dire dans la direction de ton adversaire, ouais, ouais. tu peux te faire prendre par un genou comme ça, le genou de la justice.